Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, compte rendu Bande Ko, il y a Conseil supérieur de sécurité. Oyo Fatia Astenaki, bande konange za somme. Yanto yese ba Congolais ete, o makambo to zanango, eza makaminene. Le Conseil supérieur de sécurité, ba sangana ki, pona kota la situation, oye le kaki na kanya bayonga, pe en général la sécurité a mboka. Alors, ba mona ki ete, tout s'était passé ba djuba mesure nécessaire. Na mouto asa kwa takibi sou armée rwandaise, ete ndemi mtoko rekipere ba territoire rwana. Bande ko l'armée, na biso il faut ça sima na bango ba konza mboka ba tali ba point nyonso et puis ezé élargi to mona ba bemba ba ye ba to bazala ki wali boso o moni partout ministre affaires étrangères la première ministre do ba to pene ba simi mboka bazala ki prison alors contre wandi wana eza makambo eza nécessaire eza makambo oyo il faut élargir. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Ndeli toko gaye bitumba oyo, ndeli toko bengana munguna. Ils n'auront plus la place, toko chasse bango. Ndenge baza wana bana mboka lokola ne basangani boy, ba djuba mesure. Ba tia ba avion wana nyonso en application, ba ndiko to pesa ba commentaire, ba sukoi, biloko toto somba, ba tia en application pour to attaquer ennemi. On peut plus continuer comme ça, parce que tous ces ennemis de la paix, baza ko déranger mboka na biso, alo armé comme état oyo ba telema. Bandeko, mokoza mboka zana susina esa wosanganati. Zomona, yangwana as vraiment atelemi pona likambo kuy. Alo, tola anandenge likaki, bongo to avance. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Luberon, province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les trois zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Chers téléspectateurs, nous avons suivi Patrick Muyaya. En tout cas, à l'objet clairement de Makambo Ezalaki. Ezali, ou Ezole Kana, est-ce pour le moment, compte rendu, Eza clair était Munguna. Il faut que l'armée rwandaise, c'est lui qui a menacé Bissou. Il a bas, il y a un 23, il n'y a rien, c'est l'armée rwandaise. Il y a Télémi Kabambo, mais il y a payé mon côté. L'armée ougandaise, il y a tout, il y a tout. Mais alors, en tout cela,
pour gouvernement ba tiba décision na conseil wa ba décision za makasi mais biso to yiba détail nyo sote mais toujours le bana gouvernement boui to zana besoin et ba batia ba vie nyo son application to récupérer ba territoire rubaya ke kanyaba yonga ba to kende nyo so to récupérer mais comment to récupérer yango tant que tu as perdu le territoire, et tu as senga et stratégie militaire, bango nyoso basangana ensemble pour to longa mboka to longe tumbo tuzanango bandeko le pays c'est un complot international oyo bazingi mboka na biso balingite les ennemis de la paix mboka oyo zo akimia ndebo zo mona ba minduki nyoso na makasi ba pesi Kagame na minduki na makasi to ko résister. Si l'Ukraine va me résister contre la Russie, bon, comment bisouter? Tout ça, le bango que ça, Rwanda dit, tout ça, la claire, banamboka. Rwanda, cause, ça, arme, on a nyo, sa ma kasite. Oyo, bazo, domine, bisou, na terre, baye, ba, poto, li, kanya, ba, yunga. Et ça, ba, arme, na, bango, ba, pesse, mon, na, ba, français, na, bikolo, mousse, souana, oyo, ya, inyo, ya, occident, mais baye, ba, ete, bisou, toko, longue, za, mboka, na, bisou. Et puis, sur so, so, le système de situation, on a un peu complot, on a un peu de l'interne, il faut battre l'armée de l'abissou. Il faut battre tous ces généraux na front, parce que c'est un peu de temps. Alors, bah, mboka, c'est à ce point, na komo clôturer l'émission, pour continuer à s'abonner, pour faire ce petit message, et le gouvernement déployer l'avion. Au revoir, à la prochaine.